Vous avez cru aux chances de Superstitious. Vous devez être ravi aussi bien que Amar Sioudial, qui a réussi un peu son pari, Amar, puisqu'il est souvent là longtemps, le 1400 même, décidé de raccourcir cet après-midi, et ça a été un pari payant. Oui, c'est une fois un petit peu long pour lui, 450 mètres. Pendant les courses pour lui, il y a une course 1000 mètres, moi je mets en pied Final Cup. Je connais qu'il y a un bon gain de speed. Je me dis que Basson, il bounce, il y a un autre gear dans la ligne droite pour lui accélérer. Et Basson, il écoute moi, c'est voilà, un accéléré, il y a un très bon cheval. Je pense qu'il y a un avenir avec lui. Alors, chez tout, il remet un peu la bombe au cœur à moi, parce que c'est une semaine un peu difficile, quelques chevaux quittent l'écurie. Ça fait partie du game, comme on dit, mais la vie continue. Justement, dans le décembre, nous avons un cyclone, en juillet, nous avons un anticyclone. Donc, je m'habitue avec ça, je m'habitue. Moi, je suis avec mes gros, 25 ans d'expérience, je connais comment ça a passé. Mais un petit peu un coup difficile, mais ça, tu vois, en décembre, peut-être pas un petit peu trop à sa tête. Mais heureusement, il y a quelques bons chevaux qui m'ont manage. D'ailleurs, j'ai fini par ce critère MTC, 8 victoires, 2 millions en stake money. Non, moi, je dis à chaque fois, bon manage. Donc, bravo, Amar. Sa victoire-là, il compte beaucoup, sûrement, pour aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, pour remercier beaucoup du monde, moi, pour non, mais je remercie beaucoup énormément qui nous supportent moi, soutenir moi dans un moment difficile, ma famille et tout le monde camarade et tout le monde propriétaire qui nous reste avec moi sincère. Et l'avenir, vous dire, qui compte nous voir aller. Mon cousin, mon courrier n'est pas fini là. Bravo, Amar, en tous les cas, très belle victoire et vous souhaitez encore de nombreuses. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Donc voilà les impressions de Amar Sioudial après ces moments difficiles. C'est vrai qu'il a perdu 7 chevaux, mine de rien. Et heureusement que cette victoire arrive à temps, puisqu'elle remet du sourire sur le visage de son établissement. On va retrouver Jug et Rajiv, ou bien vous allez me retrouver moi-même dans quelques instants pour l'analyse de cette dernière. Encore une course au programme.